Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Fashion's Life, votre émission des modes et tendances. Toujours dans les plus beaux événements du moment. Nous sommes au château de Bertichère et d'ici quelques instants, je serai en compagnie de tous les invités de la Garden des Rois. La Garden Party, rendez-vous annuel très attendu, orchestré depuis 10 ans par Hervé Taïeb et le groupe Moitensi Diaego. Un événement festif parrainé par une personnalité et répondant à des thèmes différents chaque année. L'édition 2008 est sous le signe de la disco. Le dress code sera donc blanc, rose, paillettes et strass. Chic, c'est American Limousine. Nous sommes reçus par son président qui est lui-même dans une de ses limousines. Bonjour. Bonjour et bonsoir. Effectivement, nous sommes partenaires avec la Garden des Rois depuis de nombreuses années. Ça fait seulement 11 ans qu'on existe. Ça fait seulement 14 000 clients, 4 000 mariages, beaucoup d'enterrements de jeunes filles et avec des véhicules de luxe que vous avez le plaisir de visiter l'intérieur tout à l'heure. Beaucoup de stars, beaucoup de soirées entre amis. Vous savez, boire et conduire aujourd'hui, c'est pas tellement facile. Vous mettez à 8 à l'intérieur. Ça vous coûte 400 euros pour 3 heures, donc 50 euros par personne pour 8, et vous passez une soirée inoubliable. C'est vraiment très sympathique, regardez les vues de l'intérieur du véhicule. En tout cas, c'est certain que d'être véhiculé dans une superbe limousine comme celle d'American Limousine, on y pensera, il n'y a aucun problème. Il y a un site internet. AmericanLimousine.com, attention avec deux double A au début, AA et un S à la fin. C'est American Limousine. Voilà, on a profité d'un cadre festif et chaleureux aujourd'hui, une belle journée à la campagne avec quelques amis pour fêter ensemble le premier jour de l'été déjà. Et puis également pour présenter la nouvelle collection, la nouvelle gamme des montres technomarines au public, à notre public qui nous suit, qui nous soutient et qui aime nos montres. Donc on a une gamme très très large pour hommes ou pour femmes et qui va de 500 euros jusqu'à 5000 euros, 10 000 euros prix public. Et il y en a pour tous les goûts et tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. Donc on trouve toutes les matières, de l'acier, matières plus nobles, or, or blanc, or jaune. Absolument, or blanc, or et diamant, céramique, acier, caoutchouc, cuir, le mélange des genres et le mélange des matières, ce qui a toujours fait la base et l'ADN de la marque Technomarine. Technomarine, évidemment, on se trouve à Genève. Absolument. Nous sommes une maison suisse et nous sommes distribués sur les 5 continents. Et si l'on veut alors se rendre un peu mieux compte des produits Technomarine, il y a un site internet, je suppose. Absolument, www.technomarine.com. Merci Bruno. Merci à vous, au revoir. Amusez-vous bien. Tony, c'est la fête à la Garden. Mais c'est la folie. L'idée de la Garden, c'est justement c'est cette folie. C'est d'arriver, de mettre le feu. La nuit, c'est aussi le jour. Tous les ans, c'est... Et comme j'ai dit tout à l'heure, le monde, c'est une putain de soirée parce que ils sont tous étonnants, quoi. Ils jouent tous le jeu. Ils ont travaillé tous toute la nuit. Ils arrivent, les femmes arrivent élégantes, c'est la fête avant tout. C'est quand on voit que quand on sait faire la fête et qu'on sait quand c'est l'apprivoiser, elle peut être magique. Voilà. Et j'espère qu'on dit que c'est la dernière, mais
J'en suis pas très convaincu. Ah non, on l'a pas dit. Hein. Non, mais nous, on l'a dit. Mais j'en suis pas très convaincu parce que c'est toujours magique. On l'a créé il y a 10 ans avec Hervé Taïeb. Et pour moi, c'est une fête incontournable vraiment pour la nuit parisienne et même la nuit en France. Parce qu'on donne vraiment l'exemple de gens qui savent s'amuser et que c'est pas que la nuit qu'on peut s'amuser et que le jour, mais ce sont des gens de qualité. Voilà. C'est la bonne humeur, c'est vraiment la fête, mais la fête dans ce que ça a de plus profond. Alors toi, tu es un vrai participant parce que tout à l'heure, tu étais dans la piscine, tout mouillé. Maintenant, tu es à nouveau sec, mais vraiment, tu y vas, quoi. C'est l'énergie. Hein. Mais Tony Gomez est venu me voir, il m'a dit un petit mot à l'oreille et là, il m'a poussé à la piscine. Donc, je suis parti avec mon téléphone, avec toi à la piscine. Mais ça fait partie de la règle du jeu. Et en fin de compte, c'est avec bonne humeur que je suis allé me changer pour ne pas attraper la crève, comme on dit. Il faut savoir que Franck Wekou, évidemment, couvre toute la France en tant que directeur commercial pour Moitetsi Diaego. Et c'est lui qui œuvre pour que tous ces bons produits soient dans les plus belles boîtes parisiennes et nationales. Oui. De toute manière, c'est vrai qu'avec avec Jimmy et Mouette, on est leader et on essaie surtout de faire des soirées de qualité où la bonne humeur et la fête, dans toute sa sincérité, prime avant tout. Bon, maintenant, bon, comme je t'ai dit, je ne suis pas directeur commercial, je suis responsable de relations publiques, Nuit Prestige France. Je m'occupe de tout l'événementiel, de tout le showbiz, de toutes les redompées presse qu'il peut y avoir. Et en collaboration avec le service presse, bien sûr, de Mouette et le service Hervé. Donc c'est un boulot où il faut être présent, où il faut être de bonne humeur, où il faut suivre les gens. Et moi, je suis ravi parce que ça fait 15 ans maintenant que je suis chez MHD d'Adgeo. Et ça fait 15 ans que tout le monde me suit, que ce soit au niveau de notre grande maison et au niveau de que ce soit des people et des gens que tu vois aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un métier difficile, parce qu'il faut être rigoureux aussi. Mais par contre, on a beaucoup de satisfaction quand on voit une soirée comme aujourd'hui et des témoignages de sympathie qui arrivent droit dans mon cœur. Voilà. Et je te remercie surtout à toi, parce que tu as toujours été présent dans un événement et ça me fait toujours un très grand plaisir de parler à ton micro et de vous rencontrer. C'est nous qui sommes très ravis de te recevoir comme ça. J'adore, je suis venu pour découvrir, hein, j'adore. Il y a une piscine, il y a des caméras, il y a des gens, se casse souris. La Gardanne des Rois, pour vous c'est quoi ça? C'est super? Très sympa, on s'éclate, c'est génial. Ouais. Magnifique, c'est vrai que l'an dernier on n'a pas été gâtés, mais cette année au château c'est royal. Et alors c'est la première fois que vous venez? Ouais, c'est la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière, quoi. Bah on sait pas, parce que normalement ça devrait être la dernière. Peut-être pas, qui sait. Enfin, tout le monde est au rendez-vous, le soleil, le temps, les gens. Franchement, c'est de la bombe atomique. Et franchement, bah, c'est dommage que ce soit la dernière année. Mais bon, c'est pas encore sûr que ce soit la dernière. Mais en tout cas, Hervé Taïeb et Franck Wekou ont grave assuré. Et franchement, je leur tire mon chapeau, ma perruque même. Et donc voilà, donc je m'amuse, je m'éclate. Et c'est toujours un plaisir d'être à la Gardanne des Rois. Voilà. Alors vous la connaissez sûrement, moi en tout cas j'en suis persuadé. C'est une super woman qui fait des shows fantastiques avec toute sa compagnie de danseurs. Elle se produit un peu partout, donc elle va nous expliquer tous ses projets et je crois qu'elle en a un super, qu'on ne dévoilera pas trop d'ailleurs parce que c'est encore un petit peu confidentiel. On ne dira même pas le nom d'ailleurs, je crois. Non, même pas le nom. Même pas le nom. Il faut savoir que c'est une très très grande artiste qui sera sûrement reprise par tout simplement Rebecca Regina qui va produire un super show. Mais faut que tu te présentes parce que c'est important. Dis-nous ce que tu sais faire. Alors à la base, bonjour, je suis danseuse, chanteuse, comédienne, chorégraphe.
avec la, par la force des choses, un petit peu productrice de spectacle. Voilà. Et je fais beaucoup d'événementiels jusque-là. Et le spectacle qu'on a monté avec mon partenaire qui s'appelle Loïc Ney est un spectacle donc, où je reprends des titres d'une artiste sous forme de concert. Mais elle est très, très, très modeste parce que tout est fait dans le détail. Le chant, la danse, la musique, mais également les costumes. Au point près, tout est fait et tout est recopié à l'identique. Ça va être un show merveilleux d'une durée de 2 heures. Tout d'abord en région française, avec une grande tournée, et puis ensuite à Paris. Éventuellement, avec grand plaisir en tout cas. En tout cas, c'est fait avec énormément de cœur, pas spécialement dans un but lucratif, c'est vraiment un grand hommage à cet artiste.